Élodie Frégé dément. Alors que la saison 5 de Mask Singer démarre ce vendredi 14 avril sur TF1, les salaires des 4 enquêteurs, Kev Adam, Michel Bernier, Élodie Frégé et Jeff Panaclock, ont été dévoilés dans la presse. Selon l'enquête de nos confrères de Public, Élodie Frégé toucherait pas moins de 120 000 euros pour la saison entière, ainsi que la promesse d'un rôle dans une série de TF1. Mais la chanteuse de la ceinture affirme à nos confrères de Pure Char que ces chiffres sont totalement faux. J'adorerais qu'il y ait des clauses de contrat avec des rôles dans des séries, affirme Élodie Frégé dans cette même interview. Expliquant qu'elle n'avait pas été contactée dans le cadre de cette enquête, elle s'amuse ensuite de la différence entre les chiffres annoncés et la réalité financière. Je vais peut-être demander une égalisation de mon salaire étant donné ce qui est annoncé. Annonce-t-elle avant d'éclater les rires. La chanteuse ne dévoilera cependant pas son véritable salaire. Élodie Frégé, qui sont les hommes qui ont partagé sa vie? Élodie Frégé, pourquoi fait-elle Mask Singer? Dans son interview à Pure Char, Élodie Frégé avance des motivations bien moins matérielles pour expliquer sa participation à la saison 5 de Mask Singer en tant qu'enquêtrice. J'avais envie de m'amuser. Si est-ce très amusant. Même plus que ce que j'imaginais, assure l'ancienne gagnante de la Star Academy, aujourd'hui autrice compositrice interprète, mais également actrice. J'ai flirté avec mon enfance, j'ai retrouvé des sensations de jeu que je pouvais partager avec mes frères et sœurs quand j'étais petite. C'était très agréable. Selon les chiffres annoncés dans l'enquête démentie par Élodie Frégé, Kev Adams toucherait 380 000 euros pour la saison 5 de Mask Singer. Soit plus du triple de la somme versée à Michel Bernier, 100 000 euros. Quant à Jeff Panaclock, son salaire annoncé serait de 85 000 euros. Des chiffres aujourd'hui remis en question par les affirmations d'Élodie Frégé. Crédit photo, Patrick Bernard.